Bonjour et bienvenue dans cette méditation pour nettoyer ton troisième œil par Jessica Huttier. Dans cette méditation, nous allons travailler sur ce troisième œil qui symbolise ton intuition, ta force intérieure, ta sagesse intérieure, et tu vas pouvoir t'y reconnecter et surtout le nettoyer. Je t'invite à t'installer confortablement, assise ou allongée. Et tu vas fermer les yeux. Tu vas commencer par respirer tranquillement et profondément. Tu vas inspirer par le nez. Tu vas bloquer l'air quelques secondes, puis tu vas souffler par la bouche jusqu'au bout du bout pour vraiment évacuer tout l'air de tes poumons. Et tu continues cette respiration lente et profonde. Et tu sens ton corps qui se détend de plus en plus. Ta respiration devient de plus en plus naturelle. Tu n'as rien à forcer. Inspire. Bloque l'air quelques secondes. Puis expire. Profondément et jusqu'au bout. Tu sens ton corps se relâcher encore un peu plus. Tu vas prendre une respiration de plus en plus normale, apaisée, régulière. Et tu vas te visualiser comme tu es aujourd'hui. Tu peux imaginer au-dessus de ta tête une boule d'énergie, une lumière, un faisceau de lumière, une sensation, une chaleur par exemple. Peu importe comment ça se présente, mais une énergie va se présenter au-dessus de ta tête. Et cette énergie se rapproche du sommet de ta tête, puis elle vient rentrer par le sommet de ta tête pour se diffuser dans toute ta tête, l'arrière de ta tête, le dessus de ta tête, le visage, les mâchoires. Elle vient balayer toute ta tête et puis progressivement va s'écouler au niveau de ta gorge, de tes épaules pour se diffuser dans tes bras jusqu'au bout des doigts. Elle continue doucement, fluidement, elle s'écoule dans ta poitrine. Elle balaye sur son passage toute ta poitrine. Et elle descend, elle se diffuse dans ton plexus, puis dans tout ton ventre. Et elle continue dans ton bassin pour se diffuser dans tes jambes jusqu'au bout des pieds. Une fois arrivée au niveau de tes pieds, tu vas imaginer cette énergie, cette lumière qui va continuer son chemin jusqu'au centre de la terre. Tu peux même imaginer des racines qui vont vraiment s'enraciner jusqu'au centre de la terre. Des racines qui partent de tes chevilles et qui descendent progressivement jusqu'au centre de la terre. Le centre de la terre est un endroit lumineux, comme un gros diamant scintillant.
fois que tu es arrivé au centre de la Terre, tu vas prendre une grande inspiration et tu vas imaginer cette énergie, une énergie renouvelée qui va remonter et faire le chemin inverse en repassant par tes racines, en arrivant au niveau de tes pieds, et elle va repasser par ton corps, par tes jambes, ton bassin, ton ventre, ton plexus, ton espace cœur, ta poitrine, ta gorge, mais aussi tes bras jusqu'au bout des doigts. Elle remonte au niveau de ta tête pour ressortir par le sommet de ta tête. Et elle continue sa route loin, loin, loin dans le ciel, dans l'univers. Tu te sens maintenant totalement détendu, apaisé et en sécurité. Tu es ici et maintenant. Tu vas maintenant porter ton attention au niveau de ton front. Entre les sourcils se trouve ton troisième œil. Peut-être que celui-ci se manifeste déjà et peut-être que tu sens ton troisième œil comme un petit point entre tes sourcils, une petite pression ou une douce chaleur, peu importe. Peut-être que tu ne ressens absolument rien. Et c'est ok. L'idée, on va maintenant faire un petit exercice pour venir nettoyer et ouvrir ton troisième œil. Tu vas te concentrer soit sur la sensation, si elle est présente, soit sur l'endroit où se trouve ton troisième œil, et en mettant ta conscience dessus, tu vas te retrouver dans ton troisième œil. Tu vas aller te balader dans ton corps et tu te retrouves maintenant au niveau de ton troisième œil. Alors peut-être que tu te trouves à l'intérieur, peut-être à l'extérieur, peu importe. Comment c'est dans ton troisième œil? Est-ce que c'est un peu sombre? Un peu froid? Un peu vide? Peut-être qu'il n'y a rien? Alors tout simplement, je vais t'inviter à imaginer comme un rideau qui pourrait cacher ton troisième œil, un rideau noir, bien épais, bien opaque. Et ce rideau, tu vas l'ouvrir. Et ton troisième œil est juste derrière, il va apparaître derrière ce rideau. Rideau que tu peux détacher et jeter, tu n'en as plus besoin. À partir d'aujourd'hui, ton troisième œil va pouvoir s'exprimer, tu vas pouvoir laisser exprimer ton intuition et ta force intérieure. Mais est-ce que ton troisième œil, il serait pas un petit peu terne là par hasard? Ça manque un peu d'énergie tout ça, hein? Maintenant que tu as nettoyé, du moins que tu as retrouvé l'accès à ton troisième œil, tu vas pouvoir l'allumer. Cherche bien, il y a forcément un interrupteur quelque part. Une fois que tu trouves cet interrupteur, tu appuies dessus et tu allumes la lumière. Et là, tu vas voir comme une lumière scintillante qui va jaillir de ton troisième œil et tu vas t'imaginer maintenant comme un phare. Tu vas te sentir encore une fois bien ancré avec tes racines de tout à l'heure, bien ancré dans la terre, et au niveau de ton troisième œil, une lumière magnifique et scintillante va se projeter loin, très loin devant toi. Comme un phare. C'est totalement l'image d'un phare que tu peux avoir maintenant. Tu éclaires, tu illumines devant toi. Tout s'illumine. Symboliquement,
comme si tu éclairais ton chemin. Tu y vois plus clair à partir d'aujourd'hui. Tu vas y voir plus clair. Tu vas te faire confiance. Tu vas écouter ton intuition. Tu vas aller vers les choses qui te font du bien, qui te font plaisir, les choses qui font du sens pour toi. Et tout s'éclaire devant toi. Tu continues à respirer tranquillement, en gardant cette image de toi comme un phare qui illumine, qui ouvre la voie, qui ouvre ta voie pour ensuite pouvoir guider les autres. Respire tranquillement et progressivement, tu vas pouvoir revenir à toi en conscience, revenir dans ton corps. Tu vas pouvoir bouger les extrémités, les doigts de pied, bouger un petit peu la tête. Tu reprends contact avec ton corps progressivement. Tu peux bâiller, t'étirer. Et quand tu te sentiras prête, tu pourras ouvrir les yeux.